De la canne là. Oui, oui. Bon, ouais. Donc troisième jour qu'on est ici. Mes premiers départs de la matinée. Mais John est en train de combattre un très très joli silure. Donc là il est à quelques heures de son départ. Ouais, je pensais que mon train il était dans 2 heures, mais je suis bien attaché là. Merde. Non, il va repartir là, c'est sûr. Je le sens. Hein. Qui poisson. Tu vois, je l'ai pas encore. Ok, ok, tout ça va, ça va. Et là, je te dis qu'il partira pas. Look at the size of that fish. It's a monster. Look at it. Ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Surtout quand on voit le au gros, la tête et le... Quel combat, tu vois. En plus, là, je suis deux fois plus heureux qu'en t'as dit hier. J'aimerais bien que ça m'arrive à moi, un combat comme ça. Voilà. Non, mais en plus, avec ça, je voilà, suis super top. Content. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, non, top. Je vois qu'avec ça, c'est bon. Hein. C'est bon. Ça, c'est bon. C'est juste. Ouais, super. Je vais avancer le tapis. Allez, on va voir la surprise.
2m18. Attends, il y a l'ombre. Wow, quel poisson. Hein. Quasiment. Quel poisson. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Quelle super fin à cette session pour moi. Donc Jérôme et Antoine, ils ont encore 2 jours à pêcher, donc j'espère qu'ils vont toucher encore des poissons comme ça. Là, j'ai passé vraiment un super moment ici en Espagne, et puis c'est grâce à des amis, Antoine et Jérôme, que j'ai réussi à prendre ce super poisson. Quel magnifique poisson. Et quelle super continuation de nos essais avec tout ce qui est le hybrid style, comme il dit Antoine. Voilà. Je relâche ce poisson, puis là, dans 1h30, j'ai mon train. Donc, et après l'avion. Ok. Quel magnifique poisson ça, hein? Wow. Yes! Woo!